ce moulin date de pendant plus de 700 ans. Notre papier a servi pour l'impression de la Constitution française. Des grands noms utilisaient notre papier. Je pense à Dali, Picasso, Chagall. La fabrication de papier demande une certaine lenteur. Ici, le temps s'arrête. This great big story is inspired by Genesis. Bonjour, je m'appelle Emmanuel et bienvenue au moulin à papier Richard Debat. Il reste plus que 2-3 moulins à travers toute la France. Alors mon grand-père a acheté le moulin pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce moulin est devenu une histoire de famille puisque ça fait 3 générations. Une machine à papier aujourd'hui est capable de produire 1000 tonnes de papier par jour. Nous sortons à peu près 2 tonnes de papier par an. Une feuille, au minimum, il faut bien 3 semaines à 1 mois. Si on veut que le papier soit de qualité, il faut prendre le temps de bien faire les choses. Bonjour, moi je suis Michel, donc le papetier du moulin Richard Debat. La première étape, c'est fabriquer la pâte à papier, broyer le chiffon de récupération dans l'eau et on obtient la pâte. Deuxième étape, c'est fabriquer la feuille de papier. Il faut faire l'ouvrage pour faire la feuille. Troisième étape, ça va être l'opération du pressage. On écrase la porce, c'est-à-dire les feuilles de papier intercalées des feutres, pour en enlever l'eau. Quatrième étape, ce sera l'opération du levage. Cinquième étape, on vient dans les étangs noirs pour accrocher les feuilles sur les cordes pour qu'elles sèchent naturellement. Toutes les opérations se font à la main. Vous n'aurez jamais 2 feuilles identiques. Là, je vais vous présenter notre papier à inclusion florale. On remarque les inclusions de fleurs naturelles qui ont poussé dans nos jardins, les bleus et rouges. En l'été, on va cueillir tous les matins dans les jardins, nos pétales frais qui vont être incorporés dans la pâte à papier directement. Je crois que c'est assez important de vouloir préserver cette tradition de fabrication de papier à la main. C'est très valorisant de savoir que notre papier sert pour des très belles choses.